Et coucou tout le monde! Le cadeau de mon beau-père s'est fait. Casse-toi, Minou. Du coup, j'en profite pour vous montrer une partie de ma curly hair routine. Bof, celle-là? Ouais. Ah ouais? Des livres. J'adore. Je vais mettre mon masque et comme ça on va voir s'il y a des petits poissons. Et bonne année! Top départ, quelle heure il est? Ouais, top 11h02. Départ, quelle heure? Mais j'en ai un peu pareil. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est actuellement jeudi 21 décembre et je n'ai toujours pas terminé mes cadeaux de Noël. Donc, je vais vous amener avec moi pour qu'on termine nos petites emplettes, etc. Accessoirement, je vais aller faire mes ongles. S'il vous plaît. Ils sont affreux. Il y a de la repousse, j'aime plus la couleur, bref. Donc, on va aller faire ça. Let's go! Le cadeau de mon beau-père s'est fait. Je suis allée à Palais d'été et je lui ai pris un petit coffret de thé, détox, etc. Il aime bien, donc je suis contente. C'est fait. J'avais fini, j'allais à la caisse et je suis tombée sur ça. S'il vous plaît. C'est un moule en silicone en forme de d'arc-en-ciel. J'ai pas pu me retenir. Il me laisse passer le Sancho. Casse-toi, Minou. On se retrouve quelques jours plus tard et devinez quelle jour on est. On est le 24 décembre. Et j'ai pas fini mon cadeau, pas officiellement. Ce soir, on se fait un petit truc intimiste, Marc et moi. Donc du coup, je voulais lui offrir un cadeau intime, comme le moment. Et du coup, je lui ai acheté un album photo, vierge, vous savez, les vrais albums. J'ai fait développer des photos et je vais les coller. Et j'ai toutes mes petites trousses avec mes petits stylos colorés. Je vais lui mettre la date, etc. pour qu'on se fasse notre premier vrai album photo. Donc voilà. Aujourd'hui, on est le 25 décembre, donc c'est Noël. J'ai pris ma petite douche et du coup, j'en profite pour vous montrer une partie de ma curly hair routine parce que j'ai plein de questions là-dessus. Donc, je vais vous montrer, je vous ferai une vidéo spécifique pour vous montrer tout le processus, etc. Mais bon, ce sera déjà bien la première partie. Je me fais un shampoing. L'Oréal Absolu Repair, il est vraiment bien, je trouve qu'il assèche pas du tout ses cheveux. Ce masque là, Curl Expression L'Oréal, il est incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est il est gras, il démêle bien les cheveux, mais sans les graisser non plus. Il sent super bon, il est ouf, vraiment, je vous le recommande. Pour la curly hair routine, on a besoin de deux produits. Ces deux produits vont clairement changer votre vie et ils sont hyper accessibles. Vous les avez dans les magasins de produits pour les cheveux, mais aussi en grande surface, donc hyper facile à trouver. Un masque, ça franchement, je crois que ça coûte 6€ en grande surface. Moi là, j'ai pris Hair Food Ananas. C'est pour la longueur, la brillance, etc. Mais vous avez celui à la banane, hydrate hyper bien, celui au macadamia, etc. Mais change un peu toutes les gammes, donc là, j'ai testé celui-ci. Et après, c'est le gel Energy Fruit Coco. Cœur gelé, c'est un soin définition.
Donc là, ça se présente comme une petite gelée. Et en fait, ça va servir à scruncher et définir vos boucles. Donc pour le processus, vous prenez votre crème. Moi, faut savoir que j'ai un cheveu bouclé qui est un peu sec. Donc je mets du produit partout, que ce soit mon démêlant, mon masque, mon après sans shampoing, en racine et en longueur. On met une bonne quantité, j'étale. Et là, je viens mettre sur mes racines. Vous voyez ? Mais j'étale pas en mode comme ça. J'étale en soulevant mes racines pour hydrater, un peu dessous aussi, etc. J'étale tout bien. Une fois que c'est fait, je reprends. Vous voyez, c'est une bonne noisette sur plusieurs doigts. J'étale bien sur toutes mes mains. J'étale bien sur tous mes cheveux. Hop, je soulève mes racines. Une fois que c'est fait, je vais séparer mes cheveux approximativement en deux. Je les passe devant, je prends ma brosse à cheveux et je démêle. On commence toujours par les pointes. On arrête le démêlage en racines. Ça casse les cheveux, c'est catastrophique. Arrêtez de faire ça, vraiment. Une fois que c'est démêlé, je mets mes cheveux en arrière et là, je vais faire ma raie. Je les pousse tous en arrière. Hop, et là, je fais ma raie. Hop, et je les recoiffe. Ces étapes, elles sont hyper importantes. Ça dépend de l'implantation de votre cheveu. Si vous avez une frange, pas une frange, comment vous voulez qu'il soit. Moi, je veux qu'il y ait une raie au milieu parce que j'ai une frange rideau. Après, c'est vous qui voyez. Mais l'étape du coiffage et du plaçage de cheveux, si vous ne le faites pas et que vous faites un votre crunch comme ça, etc., vous allez avoir, mais ça va ressembler à rien. Donc, faut pas hésiter à les suivre. Je prends ma coco curl gelée. Et je mets une bonne poignée. Enfin, une bonne poignée. Vous voyez ? Une bonne quantité. J'étale sur les deux mains. Et là, le but, c'est d'étaler le produit. Donc, je soulève mes racines pour pas avoir le cheveu tout plat. Et je le passe partout sur mes cheveux. Je commence déjà, je sais pas si vous voyez, mais ils savent ce qui va leur arriver. Et là, je scrunch. Vous voyez ce bruit ? Je ne sais pas si vous entendez. Il faut que votre cheveu il fasse légèrement ce bruit. En mode comme s'il y avait de l'eau et du produit. Et ça veut dire qu'il est bien gorgé de tout le soin dont il a besoin. Et le cheveu bouclé, il faut savoir que c'est un cheveu qui est souvent sec, en manque d'hydratation. Et si vous ne lui donnez pas les produits, ben, il ne va pas être bien. Je les remonte légèrement pour avoir la racine collée. Une fois que c'est fait, vous oubliez de toucher vos cheveux, passer la main dedans. C'est finito pipo. Soit vous les séchez au diffuseur. Quand il fait chaud, je les sèche à l'air libre, ça les abîme pas. Ils prennent le temps qu'ils ont besoin. À tout à l'heure. L'heure est arrivée de s'habiller, les amis. Et cette année, qu'est-ce qu'on va mettre ? Des paillettes. Allez, je vais essayer mes petites tenues. Je vais faire un petit défilé, minute, le m'aider à choisir. Je vais m'aider à choisir. Allez, let's go. Est-ce qu'on en parle de ma robe de star ? Tu vas mettre ça là ? Allez, qualité. Minou, numéro 1, la robe qui a fait tomber Minou amoureux de moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Bof. Bof celle-là ? Ouais. Ah ouais ? Ou petite jupe à paillettes, petit body noir basique, dos nu. Ouais, je crois que celle que j'aime le moins, c'est la deuxième. Celle-là, t'aimes pas ? Ouais, bof. Bon, quand je l'avais essayé, la dernière fois, t'avais dit que t'aimais bien. Ah, mais chaque jour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez choisi. Hop, je vais partir là-dessus et je vais garder la robe dorée pour le nouvel an. Thank you.
coucou. On se retrouve pour la suite du vlog. Je vous fais mon petit outfit. Je le trouve trop mignon. Petit Zadig et Voltaire, chopé sur Vinted. Il est incroyable. Orange comme ça, franchement. Il fait toute la tenue, je kiffe. Pardon. Petite combinaison, short noir Zara, chopé sur Vinted. Et petite ceinture Zara aussi, il me semble. Acheté en magasin. Aujourd'hui, on est le 27 décembre, donc je vais vous faire un petit update de ce que j'ai eu à Noël. On va faire un petit unboxing. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et du coup, je vous montre un peu ce que j'ai eu. Donc, Marc m'a offert des livres. J'adore. Donc, j'ai eu le No Procrastination Club. C'est un weekly planner de Ticia, qui est une influenceuse réunionnaise aussi, enfin d'origine réunionnaise. Et du coup, j'adore. J'écoute ses podcasts. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, il se présente comme ça pour le mois de janvier. Donc, vous avez la première page janvier avec un calendrier du mois. Ensuite, vous avez une page sur, pour votre semaine, lundi, mardi, etc. Et à côté, vous avez votre objectif de la semaine, des notes, une to-do list avec quelques objectifs importants à mettre, et elle vous met toujours une petite citation. Je trouve que c'est hyper sympa. Et comment est-ce que vous vous sentez pour cette nouvelle année? Vous voyez là, vous devez évaluer avec des petits smileys, et ça change à chaque page. Bref, je trouve ça trop sympa, je le trouve trop beau. J'aime trop le fait qu'il soit en format livre et pas forcément en mode carnet comme d'habitude. Et vert, rose, comme ça, ça pète. Et j'ai eu Happy Hours de Anna RVR. Elle a sorti un livre de cuisine et j'adore les livres de cuisine. En plus, il fait bien décoratif, je trouve. Il est trop beau avec la petite fourchette, donc on peut le poser comme ça. J'aime bien les deux en main. Bref, donc je vous montre vite fait l'intérieur si vous voulez vous faire une idée. Vous voyez, il y a toujours une petite photo sympa du plat. Après, à côté, les ingrédients, la recette. Voilà, donc Marc m'a offert ça avec un collier magnifique en argent de la même marque que ce bracelet qu'on a en commun avec Salomé si vous avez regardé mon premier vlog d'une petite boutique bordelaise où j'avais aussi ma bague si vous avez regardé aussi des précédents vlogs que j'ai perdu. Donc il m'a racheté ma bague et un collier un peu le même style que ce bracelet pour faire le rappel, magnifique. Avec une petite breloque et du coup, vu qu'on l'a commandé en métropole, il n'est pas encore arrivé. Ma mère m'a offert une lampe UV pour faire mes ongles parce que j'adore faire du semi-permanent. Depuis que j'habite en métropole, vu que j'étais à la frontière espagnole, j'allais en Espagne et je payais 12 euros. Imbattable. Imbattable. Je sais que là, vous vous dites, et moi dire que je paye 40 euros et moi dire que je paye... Non, donc du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans quand j'étais sur Bordeaux, les allers-retours. Mais là, bref. Donc, le matos pour que je me le fasse moi-même. Donc, j'ai la petite lampe, elle m'a acheté une petite brosse. Avec des produits pour cheveux. Et c'est parfait parce que je compte vous faire une vidéo sur la curly hair. Comment prendre soin de ses cheveux bouclés, comment se coiffer, blablabla. Donc du coup, elle m'a offert le Curl Expression. Alors, qu'est-ce que je vous disais le jour de Noël? Que je mettais le masque. Là, j'imagine que c'est un super produit. Et après, elle m'a offert des produits de la marque Misani. Et j'ai eu des sous avec mon papy et ma tati. Et je suis allée m'acheter une petite paire de baskets. De base, je voulais partir sur une paire de Adidas Samba. Introuvable ici. Dites-moi si en métropole vous en avez. Mais ici, il n'y en avait pas du tout, clairement. Et du coup, je suis partie sur une paire de Nike que je voulais depuis longtemps, mais que je trouvais jamais ma taille, que je trouvais jamais de couleur qui me plaisait, que je trouvais que ça m'allait pas. Et là, je trouve canon. Voilà. C'est des Dunk métalliques. Je suis dans mon air de l'argenté, gris, vous voyez. Et ben voilà, j'adore. Elles sont trop belles. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je suis trop reconnaissante. Et j'espère que vous aussi, vous avez eu de belles choses, même si ce n'est pas du matériel, que vous avez passé un bon moment en famille. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu aussi. J'adore savoir. Où est-ce qu'on va, monsieur le guide? Nous allons à Bassin-Sardine. Qui est dans la ville de Les Pantalefada.
stop, le gouffre de l'étang salé. Dans combien de temps? Un kilomètre. C'est un sentier qui n'est pas du tout indiqué. Et là, je l'ai vu sur un blog. Donc, on a fait avec le peu d'informations qu'on avait. Je suis pas sûre qu'on ait trouvé le spot. Donc, Marc est allé en reconnaissance parce que... Vu du sentier, je pensais que c'était ça, le bassin, mais pas du tout, c'est une petite flaque d'eau. Et voilà le fameux bassin sardine. On l'a finalement trouvé. Et il n'y a que nous, ça c'est trop cool. Je vais aller faire un petit plongeon parce qu'il fait trop chaud. Je vais mettre mon masque et je vais prendre ma petite pochette qui va sous l'eau. Comme ça, on va voir s'il y a des petits poissons. J'adore, c'est ma nouvelle activité favorite. Voilà le bassin vu de loin. Il paye pas trop de mine, hein, mais c'était vachement sympa, il n'y avait que nous. Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard et on va manger le meilleur plat du monde, alias la pizza. Je suis un peu agoraphobe en plus et là il y a 36 000 personnes. Et bonne année! Souvent dans le secteur, parce que le temps n'est pas au rendez-vous et qu'un petit solitaire ne marche pas tout son garde à propos, on garde au. Retour sur le spot. Sur quel spot allons-nous? Cascade mes couilles. Thank you.
Merci à vous, passez une bonne journée. Merci. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle expédition. Aujourd'hui, je me suis fait prendre en guet-apens par des amis de métropole qui sont arrivés sur l'île pour aller faire une marche à Cilaos. Non, vous ne rêvez pas, je vais vous faire découvrir un cirque, ça y est. Bon Adrie, aujourd'hui tu es notre guide touristique. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication de là où on va? Pour nous vendre du rêve, genre à la fin. Genre à la fin, tu vas nous dire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, on va où? Ça s'appelle comment, la cascade? Ah, la chapelle. Ah, d'accord. Ok, ça commence bien. On est dans le village de Cilaos. Il y a plein de petits marchands. C'est super sympa. Faut savoir que Marc me tase depuis qu'on est arrivé pour aller à Cilaos faire une marche. Donc aujourd'hui, je réalise son rêve en 2024. Plein de belles résolutions. Donc on y va. Top départ, quelle heure il est? Ouais, top 11h02. Départ, 11h02. Allez. On chronomètre parce qu'on fait un meilleur temps en retour qu'à l'aller, c'est le but. Hein. Bah, c'est bon. Parti. Ah ouais, non mais vous. Salut. Ah bah c'est plus facile pour les genoux. Je suis un peu team montée aussi. Hein. Moi je suis team montée aussi. Ah ouais? Ah ouais, la descente ça t'encule les genoux. Allez, let's go. Même pas un kilomètre, je crois. Ça va encore pour l'instant. On n'est pas trop mal. Il est 14h48, on va pas tarder à rentrer parce que ce gros caillou vient de tomber de là-haut, donc ça fait un énorme boom, et quand je vous dis que c'est hyper dangereux, ben c'est hyper dangereux. Du coup tout le monde part parce que ça craint. Nous sommes actuellement à 2 heures de marche aller, 3 heures de marche retour. Les capacités physiques d'Olivia régressent minute après minute. Ah ouais, non, mais 10 minutes. La nuit tombe, les bêtes sortent. Ça pue pour nous. Va-t-elle arriver au bout de son aventure? Bon allez, petit retour là de cette marche de 18 heures. Easy. On en peut plus. Easy. Combien sur 10? 10. Ok, Toto. Bref. Je pense qu'on aurait pu faire quand même 2-3 km de plus. Okay. Je reste un peu sur ma faim. Mais là, j'hésite à suivre la voiture en courant parce que j'en ai encore en réserve. Et Adrie, en difficulté 10 sur 10. Bon, allez, nickel, c'est parti. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi parce qu'on va chercher un Sony Angel. Voilà. Je sais, j'arrive 10 ans après la traîne, etc. Mais j'en ai fait ma nouvelle obsession de ce début 2024. Et comme on a la Réunion et qu'on est beaucoup plus limité en termes de tout ce qui est tendance, j'ai trouvé un magasin sur toute l'île qui vient de recevoir un stock où la moitié est déjà épuisée, sachant que c'est arrivé hier. Donc je les ai appelés pour en mettre deux de côté et là, bah, on va aller les récupérer. J'espère que je vais avoir soit la grappe, l'ananas, il est trop mignon. Je les aime tous, sauf le melon, il est pas ouf. Et surtout, j'espère que j'ai pas le champignon. Et là, imagine, j'ai les deux mêmes. Ça me champote. Non. Je comprends le délire autour du truc. T'es là, ouais. T'en achètes un, tu sais pas ce que tu vas avoir jusqu'au bout, t'es là. C'est la cerise. C'est la pomme. Non, c'est la cerise. Oh, elle est trop mignonne. C'est quoi cette merde? Bon, là, j'espère que j'ai l'ananas. Mais j'en ai un peu pareil. Je crois que j'ai la fraise ou la pomme. Ah, j'ai peut-être le radis. Fais voir la tronche du radis. Non. Mais j'ai jamais vu personne avec l'ananas, de toute façon. Oh non. Le même. J'ai le melon. Oh, c'est une blague. Oh non, je suis deg.
Voilà le melon, je suis deg. I made room for you in here.